Tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'espère que tout ce que tu me dis là, c'est vraiment la vérité. Hein. Et je vais pas te cacher, ça me dérange un peu à la situation en quoi tu as une femme en fait. Mais t'inquiète qui pas. Est enceinte. Mais la question est, est-ce que tu m'acceptes? Est-ce que tu m'acceptes? Accepte-moi s'il te plaît. Après on verra la suite. La suite on verra. Le bon Dieu est là, va nous aider. La suite, c'est la suite qui est intéressante. Pour moi, ça, c'est encore un autre problème. Alors que moi, j'en ai marre des problèmes. Non, ça, c'est pas un problème. Je te dis, on va voir ça. Moi, je te promets qu'avec moi, tu ne vas jamais souffrir. Tu auras toujours de mes nouvelles. Comme tu m'as parlé de ton ex, là, que lui, parfois, 2 mois, 3 mois, il ne te donne même pas de nouvelles. Il passe... Moi, je ne suis pas comme ça. Tu me verras tous les jours. Tu m'entendras tous les jours. Tu auras toujours de mes nouvelles. C'est sûr et certain. Je serai toujours à côté de toi, près de toi, pour toi. C'est compliqué, je te jure. Mais c'est très, très compliqué. Ma chérie, Kesha, s'il te plaît, accepte-moi comme je suis là. Tu verras qu'avec moi, tu ne vas pas souffrir. Je ne vais jamais laisser une femme belle comme toi, une beauté comme toi, souffrir. Je ne te ferai pas souffrir. Sois-en sûr, je ne te ferai pas souffrir. Accepte-moi, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me rejette pas. Ne me dis pas que tu ne vas pas accepter cette relation. Je tiens beaucoup à cette relation. Je tiens à toi. À ton écoute, amour. Écoute, tu sais, moi je cherche pas grand chose moi. Moi je veux juste quelqu'un qui pourra m'aimer tel je que je déjà. Suis, comme oui. je suis, et qui va m'écouter, qui va être là quand j'aurai besoin de lui. C'est moi. Qui va rester avec moi. C'est moi. Qui va me chouchouter, qui va me câliner. C'est moi que tu cherches. Du matin jusqu'au soir. C'est moi que tu cherches. C'est moi que tu cherches. Je suis là. C'est moi que tu cherches. Donc, je ne cherche pas grand-chose. Mais ton problème avec ta femme ou ton ex-femme, je ne sais pas. Toi, tu vas régler tout ça. Oui, je réglerai ça. Ne t'inquiète pas. Je réglerai ça. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu sois là quand j'aurai besoin de toi. Je veux juste que tu sois... comment? Bien sûr que je serai là. Quand tu auras besoin de moi, je serai là. Je serai là. Ça, c'est sûr et certain. Sois-en sûr. C'est comme si j'ai peur, en fait. N'aie pas peur. Non. Tu ne dois pas avoir peur de moi, quand même. N'aie pas peur. Non, je n'ai pas peur de toi. Je te rassure. Non. N'aie pas peur de... Tu sais que moi, j'étais bien. Ah, je merci. Ça me rassure. Mais sauf que... Ça me rassure. Ça me fait un peu peur, la situation, mais je vais quand même prendre de risques. Ah. Et après, on verra. Non, là, tu ne vas pas prendre de risques. Tu risques rien du tout. Tu ne risques rien du tout. J'espère. J'espère. Tu ne risques rien. Fais-moi confiance. Je vais essayer de te faire confiance. Je vais essayer de faire confiance à nouveau. Fais-moi confiance. Celle que j'avais comme confiance, là... Je l'ai déjà perdu. Donc, je vais essayer de refaire encore une confiance. Relève-toi et fais-moi confiance. Relève-toi et fais-moi confiance. Alors, je vais te demander un truc. Je t'écoute. Dis-moi, est-ce que toi, tu travailles? Que je travaille? Bien sûr que je travaille. Bah, sur quoi? Sur quoi? Moi, je suis poubellologue. Quoi? Poubellologue. Mais c'est-à-dire? Et c'est grâce à moi que tu vois que Mayotte est propre. Hein? Moi, mon boulot, c'est de veiller à ce que tout soit propre. Mettre des trucs dans la poubelle. Et moi, je fais le tour de Mayotte, voir s'il y a des gens qui jettent des choses. Moi, j'essaie d'intervenir pour que Mayotte soit propre. C'est ça mon travail. Je suis poubellologue. C'est-à-dire, il faut tout mettre à la poubelle. T'es sérieux là? Oui, je suis sérieux. Ah oui. Je suis sérieux. J'aime bien. Ne t'inquiète pas, même toi là, si tu veux venir travailler avec moi, je te prendrai pour venir travailler avec moi. Oui. Non, je n'ai pas besoin. T'as pas besoin? Non. Comment ça, t'as pas besoin? T'as pas besoin de travailler? Non. Comment ça? Alors, je vais te dire aussi un autre truc. Dis-moi. Tu vois, mon père en fait, il est d'ici, il vient d'ici. Ton père est d'ici? Oui, de Mayotte. Ah oui. Oui. Donc t'es métisse, t'es à moitié mahoraise. Exactement. Allez. Je t'écoute. En fait, mon père, il était riche. Il était très, très riche. Mm-hmm. Et il m'a laissé toutes ses fortunes.
Son héritage alors? Oui. Toutes ses... Ah oui? T'as hérité de sa richesse? T'as hérité de sa richesse? C'est pour ça que j'ai plus besoin de travailler, quoi. D'accord. Oui, ouais. ça m'intéresse. Dis-moi, ça m'intéresse. Dis-moi, ça m'intéresse cette histoire. Faut se calmer, hein. Oui, dis-moi. Moi, tout ce que je cherche, en fait, c'est de l'amour. De l'amour. Et moi, je peux tout faire. Je vais t'aimer. Ça, je te promets, je vais t'aimer. Je peux tout faire pour rendre, en fait, mon mari.